Voici réunis pour cette troisième journée de l'Université d'été 2018. Et nous sommes au cœur donc, de notre Université d'été. Et nous y sommes pour non seulement comment dire, chronologiquement, mais nous y sommes aussi logiquement, puisque en fait, c'est à l'occasion de l'anniversaire de Madame Akkari que l'idée de faire une université d'été sur mystique et politique nous est venue. Et évidemment, immédiatement, le nom du père Olivier-Marie Rousseau de la province de Paris, également, puisque nous savions qu'il a travaillé sur Madame Akkari. Donc, nous sommes heureux de découvrir cette figure du Carmel, finalement très peu connue, vraiment très peu connue, alors même que c'est une figure française, enfin qui a une place fondamentale pour le Carmel en France, mais finalement assez peu connue. Donc nous nous réjouissons, beaucoup d'entre nous, de découvrir cette figure. Et sans plus de préambule, je laisse la parole à Père Olivier Mann. Merci. Merci, Jean-Manuel. Alors hier, nous étions dans le siècle d'or espagnol, une période particulièrement glorieuse de l'Espagne et de son empire. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un contexte politique, sociologique, religieux, complètement différent. Cette traversée des Pyrénées nous fait entrer dans un autre monde. Que je pourrais caractériser peut-être de manière très schématique, hein, ainsi, tandis que l'Espagne construit son unité nationale grâce à la religion, la France voit son unité nationale menacée par la religion. Et bien évidemment, cette différence de situation va peser lourd dans l'histoire de chacun des pays à cette époque. Donc nous sommes, je commence donc en 1562, puisque c'est une date fatidique pour le Carmel avec la fondation de San José, mais c'est aussi une date fatidique en France, puisque c'est le début de huit guerres de religion qui vont s'étaler de 1562 à 1598, la signature de l'édit de Nantes permettant de mettre fin à 36 ans de guerre civile. Alors, quel est le point de départ de ces guerres de religion? Le protestantisme s'est développé en France et il y a eu de multiples tentatives de conciliation, il y a eu même des synodes locaux qui ont été organisés pour essayer de trouver des rapprochements et de sauver l'unité, en vain. Et en 1562, l'édit de Beaulieu, en janvier 1562, l'édit de Beaulieu autorise les protestants à avoir un culte public reconnaissant l'état de fait et donc leur donne le droit de pratiquer leur culte. Cela provoque le 1er mars 1562 à Vassy, un bourg qui est situé dans les domaines du duc de Guise, une première révolte où des catholiques massacrent 50 protestants dans ce bourg. Et ce premier massacre va être le point de départ, je dirais, d'une guerre civile. Une guerre civile donc, qui va ravager la France et ruiner l'Église également. Bien évidemment, pour introduire cela, vous savez donc cette nouvelle du commencement de la guerre civile en France parvient au Royaume d'Espagne, que Philippe II demande au monastère de prier pour la paix religieuse en France. Et je ne vais pas relire le texte, on le connaît bien, du chemin de perfection, où Thérèse partage comment elle a été touchée au cœur par cette nouvelle et combien elle met ça au cœur de sa réforme. Et pour obtenir par la prière des carmélites que la paix religieuse revienne en France. À la même époque, et c'est là que, bien sûr, avec le recul, il y a quelque chose d'assez singulier, chemin de perfection, c'est vers 1565, ou les années suivantes, mais il y a deux versions.
En 1566 naît Barbe Avrillot, qui va devenir l'introductrice, la fondatrice du Carmel en France. Elle naît dans une riche famille de robes, une famille extrêmement riche, et donc je reviendrai sur son histoire, c'est simplement l'introduction que je note cette coïncidence de date. Alors est-ce que la prière de Thérèse a eu, de manière, ou de ses moniales, ce premier fruit assez surprenant du point de vue de la Providence. Alors, pour cette première partie, il y aura trois parties à mon exposé. Donc, une partie qui va être centrée sur l'histoire politique et religieuse, pour situer le contexte. Une deuxième partie qui sera la biographie de celle qui va s'appeler successivement Barbe Avrillot, Madame Acari, avant de devenir Sœur Marie de l'Incarnation. Donc, il y a trois étapes de vie. Je laisserai de côté Sœur Marie de l'Incarnation parce que ça sort de notre propos. Nous allons voir nous verrons dans la deuxième partie sa biographie. Pour aboutir à une troisième partie, qu'est-ce que je retiens de son itinéraire spirituel qui soit, décisif pour le sujet qui nous occupe, du rapport entre mystique et politique. Alors tout d'abord, le contexte de ces guerres de religion, la Ligue est créée en 1576, par le duc de Guise. Alors la Ligue va rassembler une noblesse catholique, mais aussi la noblesse de robe qui va être très engagée, la bourgeoisie et même le peuple. C'est un mouvement, un réseau très, très vaste qui va se constituer. Elle est créée Sainte Ligue, c'est une organisation qui a une cause sacrale, on est un peu dans un esprit de croisade, de guerre religieuse. Il y a les catholiques fervents, défenseurs d'une monarchie catholique, et qui défendent le lien entre pouvoir catholique et l'appartenance religieuse des sujets, va acquérir une puissance croissante à partir de 1576 pour réagir. Alors pourquoi cette création de la Ligue? C'est qu'il s'agisse de Charles IX ou de son successeur Henri III à partir de 1574, la monarchie française a une attitude plutôt tolérante, essayant de concilier, d'éviter la confrontation, et tout en étant favorable au catholicisme, n'a pas cherché à étouffer purement et simplement le protestantisme. Ce que lui reprochent donc les catholiques fervents et intégrés, de cette manière, sans faire un catholicisme intégral, je ne sais pas comment il faut le nommer, et vont s'opposer au roi Henri III tout particulièrement. Le roi Henri III, qui est dans une ville extrêmement catholique, à Paris est la dominante vraiment catholique, le royaume est majoritairement catholique, mais Paris l'est tout particulièrement, et c'est à Paris aussi qu'il va avoir le fameux massacre de la Saint-Barthélemy. On estime, pendant 7 jours de massacre, qu'il y avait 5000 protestants qui ont été passés au fil de l'épée dans la ville de Paris, et qui va ensuite conduire à d'autres massacres en province. Henri III, qui accède au trône en 1574, va poursuivre d'une certaine manière la politique de son prédécesseur dans cette tentative de conciliation.
Et ce qui va amener la Ligue à s'opposer frontalement au monarque. D'autant que le duc de Guise est un chef charismatique, une envergure personnelle indéniable, et cela va conduire, en particulier lorsqu'il va entrer dans Paris en 1588, il va être acclamé par la population parisienne, ce qui fait qu'Henri III prend la fuite et se réfugie à Saint-Cloud, ayant peur d'un coup d'État et de se voir... Le duc de Guise ne fera pas de coup d'État. Et c'est en 1585 qu'a éclaté la 8e guerre de religion, qui va être la plus longue et la plus désastreuse. Elle va donc durer 13 ans. Les 1585, alors pour faire le parallèle malgré tout avec la vie de Madame Akkari, donc elle se marie en 1582. Et c'est au cours de cette donc 8e guerre de religion que son mari va rejoindre la Ligue. Donc je reviendrai à le rôle jusqu'à présent, qu'il s'agisse de Pierre Akkari ou qu'il s'agisse de Barbe Avrillo, ils n'ont pas été tellement confrontés à cette guerre civile. Ont vécu l'un et l'autre. Paris était jusque-là en dehors de la Saint-Barthélemy, et n'a pas été touché par cette guerre civile, mais la 8e va être toucher directement la capitale de manière dramatique, parce que Henri III n'a pas de descendants, et son frère est décédé, et le plus proche héritier de la couronne est Henri de Navarre, qui est à ce moment-là un prince protestant, et... Donc la succession du trône devient une question aiguë, puisqu'il est prévisible que le successeur d'Henri III soit Henri de Navarre, et que la monarchie passe au protestantisme. C'est donc cela qui provoque aggraver le climat de guerre civile, d'autant qu'Henri III reconnaît le futur Henri IV pour son successeur. Admet la possibilité que lui succède un monarque protestant. Alors face à cela, il y a un regain de puissance de la Ligue qui va absolument s'opposer à cette éventualité. Et Pierre Akkari va prendre une place très, très importante dans la constitution de ce mouvement de la Ligue, à tel point que lorsque la Ligue prend le pouvoir dans un mouvement insurrectionnel à Paris, il fait partie des 16, du comité des 16 qui dirige la capitale. Paris est divisé en 16 quartiers. Et un ligueur est responsable du gouvernement de chacun des quartiers. Et Pierre Akkari donc fait partie du gouvernement. C'est pour dire que Madame Akkari s'est trouvée au cœur du conflit. Le 1588. Henri III fait assassiner le duc de Guise, il est assassiné à Blois. On a désigné cette guerre civile, ces dernières guerres de religion, comme la guerre des trois Henri, puisqu'ils s'appelaient porté tous le nom d'Henri, Henri III, roi de France, Henri de Navarre et Henri, duc de Guise. Donc, 88, le duc de Guise est assassiné. Et c'est à ce moment-là, suite à cet assassinat, que les Français, les Parisiens se révoltent contre le roi. Henri III donc va être
à cause de sa prise de position donc, vis-à-vis de Henri de Navarre, va être successivement donc, le Parlement de Paris, puis la Sorbonne vont délier les sujets de leur devoir d'obéissance au roi. Donc voilà, Henri le roi est déclaré comme un roi impie, enfin, voilà, et il va être assassiné à son tour par un malade mental en 1589. Et c'est à ce moment-là donc, que la Ligue prend le pouvoir à Paris et crée un gouvernement insurrectionnel auquel appartient Pierre Acari. Henri de Navarre, donc, qui est à la mort du roi, eh bien, qui est le successeur du trône, légitime, c'est un trône, mais un trône qu'il va devoir conquérir par les armes, puisque il y a une résistance, une opposition à son accès au trône. Et c'est là que la guerre s'amplifie, il y a donc une guerre à Senlis, qui est particulièrement violente contre la Ligue, entre les troupes d'Henri de Navarre et celles de la Ligue. De nombreux blessés affluent à Paris, des ligueurs blessés, et c'est une première étape où Madame Acari va s'engager auprès des malades et blessés dans les hôpitaux. Elle est la première grande dame à aller s'occuper des blessés, avec lesquels elle montre une charité étonnante. On la réclame, elle soigne, nettoie, nourrit, enfin prépare les. Et surtout essayer de consoler et d'aider ces hommes en souffrance à mourir en paix. La position de Madame Acari pendant cette période décisive, bien évidemment, elle partage entièrement les convictions de son mari. Elle le soutient réellement, même bien évidemment, comme en tant que femme, elle n'a pas accès à la politique, c'est son mari qui est engagé, mais elle, de son côté, va mener une action, ce qu'elle avait déjà commencé auparavant, de toute façon, mais voilà, une action caritative, une action sociale, un dévouement face à la situation de souffrance de la population. Le 1590, Henri de Navarre décide le siège de Paris. Ce siège va être absolument dramatique. Il va occasionner une famine terrible dans la capitale. Là aussi, Madame Acari va faire preuve de sa générosité héroïque, dans sa capacité à partager ses biens, à donner à tout ce qu'elle avait. Sa belle-mère, enfin, qui trouvait que c'était un peu excessif et qui voulait mettre un frein à sa générosité, lui a répondu, écoutez, cachez les vivres comme vous pouvez, mais tout ce que je trouverai, je les distribuerai. C'est qu'elle lui a répondu. Elle se démène. Alors, Paris, à ce moment-là, est dans une exaltation religieuse absolument étonnante. Population, il y a des prédicateurs qui annoncent une forme d'apocalypse. Il y a des processions spectaculaires qui se font dans la ville par les gens affamés. Il y a une sorte de solidarité du peuple dans cette à la fois souffrance et exaltation religieuse. Tout à fait surprenante, qui fera dire pour Madame Acari que c'était une plus belle période de sa vie, tellement elle était saisie par cet enthousiasme religieux. De fait, la population parisienne, malgré une famine terrible, résiste. Ça va jusqu'à des scènes d'anthropophagie, comme on peut imaginer dans ces situations-là. Enfin, c'est vraiment une famine terrible. Henri de Navarre décide de lever le siège et donc de se retirer de. Le succès obtenu va donner aux ligueurs un sentiment un peu de toute puissance. Enfin, je ne sais pas comment dire. Cette exaltation religieuse va aussi donc amener certains dérapages. Et l'intolérance va atteindre son sommet jusqu'à
une affaire, comment dire, qui va déconsidérer la Ligue, un épisode qui a scandalisé à l'époque. Un peu sans s'en réfléchir, trois des principaux ligueurs, on ne sait pas, on connaît le nom de trois, on ne sait pas combien étaient réunis sur les 16, décident de faire arrêter le président Brisson, un parlementaire, un parlementaire tout à fait respecté et reconnu dans la ville, qui lui avait une position modérée, parce que bien évidemment dans les ligueurs, il y avait les plus modérés, les plus extrémistes. Et là, ce président Brisson est soumis à un jugement expéditif. Le matin, il se rendait au Parlement à pied, il est kidnappé, jugé, condamné comme traître, et mis à mort le jour même. Pensant que cette décision, allait plaire à la population, on fait exposer son corps non publiquement, mais loin d'obtenir l'accord ou de la population, ça scandalise et cela va finalement déconsidérer la Ligue. Là, avec ses excès, certains membres de la Ligue, dont Michel Lemarial, dont j'aurai à reparler, une figure importante, vont entrer en négociation secrète avec Henri de Navarre pour le convaincre de revenir à la foi catholique. Ce que va faire Henri de Navarre, qui va être donc en 93, qui va être sacré roi à Chartres en 94, et à qui sont remis les clés de la ville discrètement, donc par des ligueurs qui, ouvrent les portes de Paris. Donc Henri de Navarre va entrer finalement pacifiquement dans Paris par certains ligueurs qui ont désapprouvé Pierre Acarit ne fait pas partie de ces ligueurs modérés qui ont accepté, l'accession au trône d'Henri de Navarre devenu Henri IV. Ce qui va amener sa mise en exil. Henri IV donc, entre dans Paris et prend le pouvoir et qui va ouvrir une période très dure pour le couple Acari. Je cite par exemple André Duval, dont j'aurai l'occasion de parler Madame Acari partage les sentiments de son mari à cette époque encore. Lorsque le roi Henri le Grand fut entré à Paris, comme pour la nécessité de son royaume, il tolérait les hérétiques. Elle en était grandement attristée et se mit à prier pour les nécessités de l'Église. Donc, la conviction de Kubla Khari, c'est qu'il n'est pas question de tolérer les hérétiques. Je suis témoin de la peine qu'elle ressentait lorsqu'elle considérait que l'on tolérait l'hérésie en France et que l'on donnait des pensions à ceux qui professaient et enseignaient cette pernicieuse doctrine. La seule pensée de cela lui était insupportable. Voilà pour l'aspect, je dirais, politique. Un mot du contexte plus général de l'état de la France. Donc, dans quel état se retrouve la France au moment de la signature de l'édit de Nantes en 1598? On peut dire que c'est un pays grandement en ruine, grandement dévasté, appauvri. La situation de l'Église est particulièrement dramatique. L'inculture du clergé, tout pas clergé bien évidemment, absolument aucune formation, des campagnes en voie de déchristianisation, largement des églises saccagées, et un haut clergé
qui est pris dans les raies de du système féodal, des bénéfices, des charges que l'on obtient pour des avantages matériels, des évêques non résidentiels, des abbés commendataires. Donc ce régime hérité du Moyen-Âge ne favorise pas le dynamisme de l'Église. Le bas clergé est mal payé en plus. Là, il n'est pas formé. Quant au concile de Trente, qui a donc eu lieu, il y a déjà, donc c'est terminé en 1562 aussi, il a eu lieu depuis longtemps déjà, il n'a eu aucun effet en France, en raison de la guerre civile, bien évidemment, pour une part, mais pas seulement, puisque le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer les décrets du concile de Trente. Au nom l'autonomie ou de la liberté de l'Église française, gallicane, par rapport à Rome. Il n'est pas question d'accepter de... Et ce sera donc pour la suite un élément très, très important. Autant, nous avons vu comment en Espagne le pouvoir politique a soutenu la réforme de l'Église, avant même le Concile, en France, la situation sera inverse, puisque après même le Concile, l'État ne le soutiendra pas, pas directement en tout cas, n'approuvera pas, n'appliquera pas les lois du Concile, fera pas appliquer les lois du Concile dans l'Église. Et donc, la réforme catholique qui aura lieu en France sera une réforme volontaire qui viendra de l'Église elle-même, qui viendra de l'intérieur de l'Église, qui sera l'initiative membres de l'Église, du clergé, du monde religieux, etc. Et c'est là, bien évidemment, que Madame Macari va jouer un rôle décisif, parce qu'elle va être au cœur de ce mouvement de réforme de l'Église, réforme volontaire, de sanctification de l'Église, pour mettre en œuvre ces décisions du Concile de Trente, et faire que ce qui a échoué par les armes, réussissent par l'exemplarité de l'Église qui doit, par sa sainteté, ramener à la foi catholique ceux qui s'en sont éloignés. Et ça va être un des aspects donc essentiels de l'action de Madame Macari, convertir les Huguenots à la foi catholique. Et il y aura un réel succès dans ce domaine. Elle sera particulièrement attentive à les convertis venant du protestantisme. L'autre aspect donc de l'enjeu qui va être important, là, bien sûr, ce qu'on appelait l'école française va être centrée en particulier sur la formation des prêtres, la sainteté du prêtre. Aspect de l'école française, c'est la sainteté du prêtre qui doit être aussi saint qu'un religieux. Voilà. Un prêtre doit être aussi saint qu'un religieux. Et que finalement, les créations des sociétés sacerdotales sont dans cet esprit-là. Le prêtre religieux au service comme représentant de Jésus-Christ sur la terre. Autre aspect qui va être sur lequel on va devoir agir, l'éducation. Donc l'éducation doit être un axe essentiel pour. Et puis spécialement les missions dans les campagnes, mais aussi au-delà, nous y reviendrons. Voilà pour le contexte politique, social. Dans lequel se trouve impliquée Madame Macari. Alors je voudrais donc, ma deuxième partie va être maintenant de découvrir cette femme. Et de voir comment la Providence s'est servie d'elle et quel a été son rôle.
Alors, si je poursuis un petit peu le parallèle avec Thérèse Davila, pour situer sa personnalité en introduction, Thérèse était la préférée dans sa famille. Elle était la préférée de ses parents, aussi dans une famille noble, enfin, favorisée. Mais malgré cela, Thérèse a fugué à l'âge de 7 ans elle a renouvelé cette fugue à l'âge de 20 ans pour entrer au monastère de l'Incarnation contre l'avis de son père. Et on voit bien que c'est dans cet itinéraire un peu conflictuel, tourmenté, va avoir des conséquences sur les 20 premières années de sa vie religieuse, où il va être un combat, assez douloureux. Et la vie de Thérèse est très marquée par, par cela. Il n'en est rien. Barbara Carey, c'est la situation un peu inverse. Elle est la mal-aimée de sa famille. C'est la mal-aimée de sa famille, de manière assez étrange. Lorsqu'elle désire, donc adolescente, devenir religieuse, moniale Clarisse, sa mère s'y oppose et on lui impose le mariage. Le mariage, et on verra comment, donc elle va consentir, consentir à ce mariage, donc un acte d'obéissance. Et ce qui frappe dans la vie de la Clarisse, c'est sa linéarité. Je dirais, bien sûr, il y a eu on parlait d'une conversion à un moment, parce qu'il y a toujours une conversion, mais concrètement, c'est une femme qui, depuis son enfance, a une vie profondément religieuse et croyante, très fervente, et cela dure sans accroc et sans, d'une manière continuelle, tout au long de sa vie. Il n'y a pas chez elle les combats qu'a vécu Thérèse Davila pour, trouver cet équilibre spirituel. Et elle apparaît comme une femme d'un équilibre remarquable. Elle est surprenante par son équilibre humain. Elle naît donc dans une famille de la noblesse d'Europe, extrêmement riche. Son père Nicolas Avrieux, seigneur de Champlâtreux, près de Lusarche, c'est au nord-ouest de Pontoise, une zone très, très riche où la noblesse avait beaucoup de maisons de campagne. Il y a encore beaucoup de belles demeures dans cette région. Ils ont de très très importantes terres dans cette région de Lusarche. La forêt de l'Isle-Adam, etc. C'est une famille donc très catholique qui va être engagée dans la ligue. Du côté de la mère, c'est le même milieu social. La famille Lhuillier était au Moyen-Âge, une ancienne famille parisienne, aussi a financé la construction de l'église des Blancs-Manteaux à Paris, dans le 4e arrondissement. Ce couple perd plusieurs enfants successifs et la mère décide de promettre à la Vierge que l'enfant, le prochain enfant qu'elle attend, s'il vit, lui sera consacré. C'est ainsi que naît Barbe Avrieux le 1er février 1566. Elle est baptisée le lendemain à l'église Saint-Merry de février. Et pour marquer cette consécration à Marie, donc ce qui est un usage qui était fréquent à l'époque, l'enfant est habillé de blanc en permanence jusqu'à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, on fait un pèlerinage dans un lieu marial, c'était une trappe de liesse, un pèlerinage parisien encore à l'époque, où on lui retire ses habits. Donc l'enfant vit. Et à la suite de cette naissance, on avait trois autres naissances, il y aura trois autres naissances, trois enfants, mais trois garçons vont naître, mais dont on ne sait rien, parce que la rupture, enfin le manque de communication avec la famille est assez saisissant. Vers 10 ans, on ne sait pas trop, vers 10 ans, elle est mise en pension chez des moniales Clarisse, où se trouve une tante religieuse de la famille Bullier.
Et Barre va être éduquée là, où elle va découvrir l'office monastique, elle va découvrir spécialement la dévotion à la Vierge Marie, elle apprend à méditer les mystères du rosaire, une dévotion très christocentrique, vraiment on lui apprend à prier le rosaire en méditant la vie du Christ. Et elle apparaît, c'est les premiers témoignages que nous avons d'elle, ce sont des témoignages de cette abbaye de Longchamp, donc là où se trouve maintenant le fameux hippodrome dans la Pologne, donc tout près de Paris. Cette abbaye avait été fondée par la mère de Louis IX, de Saint-Louis. Et c'était une abbaye qui était très vivante malgré la décadence de beaucoup d'abbayes à l'époque. C'était une abbaye où la vie religieuse s'était maintenue. Elle, manifestement, elle est heureuse dans cette abbaye et elle va désirer devenir moniale à l'âge de 14 ans. Les pensionnaires devaient se décider, soit elles choisissaient la vie monastique et alors elles pourraient rentrer au noviciat, soit elles retournaient dans leur famille. Elle souhaite devenir moniale, mais sa mère s'y oppose et décide de l'en faire sortir en vue de la marier. Et c'est là que nous voyons la première crise, je dirais, toute la vie de Barbe. Elle va se révolter contre sa mère, de manière une révolte tout à fait, je dirais, respectueuse, mais qui va être une résistance passive, si l'on peut dire, aux volontés de sa mère. Refusant de s'habiller avec de belles toilettes, de bénéficier du luxe de la maison, et demandant, puisqu'on ne l'autorise pas à être moniale, à devenir religieuse augustine pour s'occuper des malades. Sa mère, voyant l'entêtement de sa fille, va vraiment la brimer de manière très terrible, l'humiliant, la privant de chauffage, à tel point qu'un hiver, elle a un pied gelé, il faut l'opérer, lui couper un orteil qui a gelé. Elle ne veut pas s'habiller coquettement, et bien on lui donne des vêtements tout à fait rudes. Donc elle vit un des traits de la personnalité de Barbe, c'est que elle ne parle jamais d'elle-même. Donc on ne sait pas directement ce qu'elle a vécu. Ce que l'on peut constater en tout cas, c'est lorsqu'à 16 ans, on lui propose le mariage avec Pierre Acari, elle va y consentir. Et elle y consent, et là, je voudrais souligner ce point-là, parce que ça me paraît décisif dans son itinéraire, elle y consent, elle ne fait pas que s'y soumettre. Manifestement, il s'est passé, on ne sait pas quoi, mais il s'est passé quelque chose en elle qui fait que c'est un vrai consentement. Et qu'elle va, non pas se résigner, mais choisir véritablement d'être une femme mariée, et d'épouser et d'aimer cet homme qui lui est... donné pour époux. Alors Pierre Acari est vicomte de Villemort, c'est un homme extrêmement riche aussi, donc le parti est un parti très, très brillant, et appartient aussi à une famille catholique extrêmement fervente. Elle va donc s'installer chez son époux. Fait remarquable, si elle n'a pas été bien traitée dans sa famille, elle va être adorée par sa belle famille. Sa belle-mère a une admiration pour sa belle-fille, elle aime beaucoup, à tel point d'en susciter la jalousie de son mari. Donc elle a une vie, elle va avoir des années, c'est une femme, alors plus tard, la belle Acari, elle est très, très belle, une très belle femme. Elle a une riche domesticité, elle est, donc elle appartient au grand monde parisien. Elle va connaître la vie fasteuse, des bals, la société mondaine,
et elle est considérée comme une des plus belles femmes de Paris, la belle Acari. Elle a tellement cette suprématie d'être la belle femme de Paris qu'un jour, dans un bal, cela, qu'elle, comment dire, il y a une autre femme dont la beauté, la toilette, attire l'attention de tout le monde. Elle en est tellement piquée au vif qu'elle est obligée de sortir de la salle pour aller se cacher et aller pleurer. Alors forcément, c'est une jeune femme, elle a 18 ans, 19 ans, vous imaginez, mais en ayant dans la maison, Carrie, son père, son fils, son mari est très très pieux, et elle-même reste très très pieuse, une vie religieuse. Voilà, c'est des gens qui vont à la messe tous les jours, qui prient l'office, le chapelet. Enfin, c'est une vraie vie, même à certains moments, ça va devenir une vie quasi monastique. Mais elle est prise par cette vie facile, et mondaine, incident, cela va être l'Espagne était en avance aussi du point de vue littéraire et du point de vue des romans, et donc les romans que l'on lisait à Paris, c'était des traductions de romans espagnols. Madame Acari lit des romans d'Amadis de Gaulle. Alors, je sais, Amadis de Gaulle, c'est pareil que c'est pas très. C'est un peu. Érotique. C'est un peu. Ça n'est pas. Alors, ce monsieur Acari va s'inquiéter de cela. Et va faire la purge dans la bibliothèque. Ne laissant que des livres religieux dans la bibliothèque de la maison. Alors, pour souligner, je reviens un petit peu en arrière, pour souligner quand même dans quelle disposition d'esprit elle a accepté ce mariage, elle écrit, en dessous des rares lettres que nous avons d'elle, où elle relit cela, elle écrit donc ce qu'elle pensait à cette époque, « Puisque mes péchés m'ont rendu indigne du titre d'épouse de Jésus-Christ. » Il me faut bien que je me contente d'être sa servante dans un état inférieur. L'image qu'elle avait du mariage, malgré tout, n'était pas une image. Et elle écrit, entrant en religion, c'est beaucoup recevoir de Dieu. La grâce d'entrer en religion, c'est vraiment recevoir beaucoup de Dieu. Mais demeurez au siècle, avec les dispositions et désirs qu'il vous a donnés, c'est-à-dire d'entrer en religion. Demeurez au siècle. Je confesse que c'est beaucoup lui donner. Entrer en religion, c'est beaucoup recevoir de Dieu, mais rester dans le monde alors qu'on désirait entrer en religion, c'est beaucoup donner à Dieu. Donc elle le fait vraiment dans cet esprit de donner à Dieu. C'est un don de soi à Dieu qu'elle vit, et avec cette capacité de vivre les choses de manière plénière, ce qui fait que ce don de soi à Dieu, il n'est pas superficiel. Pour Dieu, elle aime son mari et elle veut vraiment l'aimer. C'est ce qui est très beau dans ce couple, c'est qu'il ne s'est pas choisi, c'est un mariage arrangé, mais il y a un véritable amour mutuel qui s'établit entre eux. Et donc le soutien qu'elle va apporter à son mari est sincère dans tout ce qu'il va faire, pleinement engagé aux côtés de son mari. Et celui-ci va être aussi remarquablement ouvert aux activités de sa femme, dans l'autre sens. Et cette disposition, donc oui, je chie sur cet aspect, ce sens de l'obéissance chez elle, qui est vécu de l'intérieur, qui est une obéissance qui est portée par l'amour et qui va porter des fruits d'amour, va vraiment marquer toute sa vie, parce qu'elle obéit à ses parents, malgré la dureté de ceux-ci, spécialement de sa mère. Elle va obéir à son mari selon les règles de l'époque, mais de manière absolument étonnante, surprenante. Ce qui fait que quand elle arrivera à 48 ans pour devenir moniale, je dirais que l'obéissance, elle connaissait. Elle va obéir à ses supérieurs d'une manière totale et, je dirais, et sans réserve. Donc ce sens de l'obéissance, mais une obéissance qui n'est pas une contrainte, qui est une décision du cœur par amour de Dieu, et qui porte manifestement des fruits d'amour, et qui va
conduire à la réussite de ce mariage. Alors, nous verrons, alors ça ne va pas être toujours très simple, mais réussite donc dans l'amitié conjugale, conjugale entre Barbe et Pierre, mais aussi fécondité de ce mariage. Elle va avoir 6 enfants, donc là je prends mes notes pour avoir le premier. Donc elle a 18 ans quand elle donne la naissance son premier fils, Nicolas. À 19 ans, elle a la naissance de sa première fille, Marie. À 21 ans, c'est la naissance de Pierre. À 23 ans, naissance de Jean. 24 ans, naissance de Marguerite. Et enfin, à 26 ans, naissance de Geneviève. Donc, elle a 3 garçons, 3 filles, dont elle va prendre à cœur l'éducation, alors de manière aussi saisissante. Autant ça, manifestement, on ne s'est pas occupé de son éducation en famille, elle a été confiée à l'éducation démoniale qu'elle a hautement appréciée, elle se soucie d'éduquer elle-même ses enfants, ce qui à l'époque était pas banal, parce qu'en effet, on ne s'occupait pas dans la noblesse directement de l'éducation des enfants, on confiait à des précepteurs ou à des institutions. Alors elle va s'occuper particulièrement de ses 3 filles, les 3 garçons seront mis aussi dans des collèges, ça c'était normal à l'époque, mais avec un souci de choisir les collèges de manière très particulière, elle va aller visiter ses enfants au collège, et pour Pierre, elle va même décider, craignant pour son orgueil, de le mettre pendant 2 ans dans un collège à Pontoise, où on pourra le rejoindre de mixité sociale. Il va vivre avec des enfants plus simples, des enfants, voilà, ce souci de justice sociale, on éduque les enfants dans le respect des domestiques, il n'est pas permis de mal leur parler, il faut elle a mis l'accent sur le renoncement à la volonté propre, ça c'est quelque chose qui peut paraître rude, mais elle était très exigeante par rapport à cela, et quand elle voyait que ses filles s'entêtaient pour quelque chose, c'était un miette absolu, quitte à le leur accorder une fois qu'elles y avaient renoncé. Et dans la maison, cela va être une vie monastique, il y a l'office est dit en famille, la messe tous les jours, elle emmène ses enfants à la messe tous les jours, ainsi que ses domestiques. C'est une vie extrêmement structurée par la religion. Ces filles, dans le procès de béatification, témoigneront, je dirais, de cette éducation, à la fois sévère, très exigeante, mais en même temps avec beaucoup de bonté et d'humanité. Elles avaient une adoration pour leur mère, enfin, un respect pour leur mère tout à fait considérable. Autre fait qui va marquer cette éducation, c'est le souci de respecter la liberté des enfants. Il va se trouver que les 3 filles vont entrer au Carmel, mais c'est vraiment être de leur plein gré, et ces 3 garçons vont être aussi libres de leur choix. L'un va se marier, l'autre deviendra prêtre, Pierre, et le troisième, religieux, sera abbé commendataire, je reviendrai sur cela, d'une petite abbaye, des moines de Grandmont, dans la forêt d'Adam, qui était de la propriété de la famille Avriot. Donc c'était encore ces familles qui étaient propriétaires d'abbayes, enfin qui avaient des droits sur les abbayes, et donc c'est un Avriot qui était toujours abbé commendataire de l'abbaye. Je reviendrai plus tard sur l'évolution des enfants. Ce que je souligne à travers cela, c'est que cette femme, qui a souffert, je pense, de son éducation, n'a pas reproduit sur ses enfants ce qu'elle a souffert. Elle a vraiment, cela prend sa liberté intérieure, elle a agi autrement, voilà, de manière tout à fait différente, et avec une grande attention, un grand amour de ses enfants. Et de ses 6 enfants, outre l'amour qu'elle avait pour son mari. Elle avait aussi une capacité relationnelle, et là aussi ce que j'admire chez elle, c'est que outre la découverte piété profonde à la vie de Longchamp, elle a lié une amitié avec une
pensionnaire comme elle, André Levoix, une femme du peuple, enfin une jeune fille du peuple, cette amitié, et quand elle est mariée, elle fait venir André Levoix pour être sa servante, sa dame de compagnie, et elle va avoir un lien tout à fait privilégié avec cette jeune femme, au niveau spirituel, il y a une entraide, une complicité spirituelle entre elles qui va faire qu'elles se corrigent mutuellement, elles se confessent leurs péchés. Donc, il y a une sorte d'émulation spirituelle qui a lieu avec André Levoix, qui sera la première carmélite française au final. Alors, 1587, pour entrer un peu avant 1587, j'ai déjà dit que Pierre Acari a supprimé tous les romans grivois qu'il pouvait y avoir, et donc elle se retrouve face uniquement à des études sérieuses, lectures sérieuses, et elle lit dans un livre, je sens que c'est un commentaire de Saint Jean par Augustin, cette fameuse phrase qui la traverse. Trop est avare à qui Dieu ne suffit. Trop est avare à qui Dieu ne suffit. Alors cette phrase, elle peut paraître, anodin comme cela, mais c'est un bouleversement pour elle et que l'on peut vraiment comparer à ce qu'a été pour Thérèse sa conversion au pied du Christ souffrant. Hein. C'est quelque chose, c'est une prise de conscience. De l'absolu de Dieu, du néant d'existence, de Dieu seul, de Dieu seul suffit, de Thérèse. Et commence à ce moment-là sa vie. Bon, elle avait été une femme extrêmement pieuse, extrêmement religieuse, et droite dans sa vie chrétienne, mais elle entre véritablement dans ce qu'elle va devenir une vie mystique. Elle poursuit, alors ce que je n'ai pas nommé, hein, c'est dans c'est quelle époque, pardon ? 1587. Donc 1587, elle a 21 ans. Elle s'engage encore plus, qu'elle avait déjà commencé, mais elle s'engage encore plus dans l'action sociale et caritative. Donc c'est une marque de la personnalité de Madame Macari, une femme très active et très généreuse, pour une sensibilité à la misère d'autrui considérable. Donc elle s'occupe des pauvres de la rue, elle s'occupe des prostituées, elle va faire une action, assistante sociale, de réinsertion de femmes de la rue. Donc c'est vraiment une œuvre, elle les accompagne pour retrouver une place digne dans la société. Elle aide des prêtres pauvres, son hôtel est vraiment porte ouverte aux pauvres. Et donc elle a un engagement aussi de ce point de vue-là, tandis que son mari s'engage au plan politique, elle s'engage au plan social et caritatif de manière très, très importante. 1587, donc ce retournement, cette intensification de l'action caritative et de l'engagement religieux, il est donc 1589, l'épisode de la guerre qui l'amène à se donner encore plus au service des blessés, comme nous l'avons vu. 1590, j'ai déjà évoqué donc le siège de Paris et cette période dramatique. Et après donc la levée du siège, en un moment, la date exacte, en 1592, je me dis de 1592, leur église paroissiale, c'était Saint-Gervais, donc ils allaient à l'église Saint-Gervais. Un jour, Madame Acari ne revient pas, on s'étonne, plusieurs heures passent, et on la voit toujours pas revenir, et on va la faire chercher à l'église, et là, on la trouve en extase. Plusieurs heures ont passé sans qu'elle ne voie rien, et commence des phénomènes extatiques très visibles et spectaculaires qui inquiètent la famille, y compris sa belle-mère qui l'aimait tant, le mari, et on l'a fait voir à des médecins, on pense qu'elle est malade. Donc le traitement à l'époque, c'est la saignée, elle a subi force saignée,
Et ça dure pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'elle rencontre à Saint-Gervais Benoît de Kampfeld, un bénédictin aussi grand spirituel mystique, s'inscrivant dans la la spiritualité rhéno-flamande, aussi le nuage de l'inconnaissance, cette spiritualité apophatique, de l'anéantissement devant Dieu, etc. Et qui va authentifier ses grâces, et lui dire non, ce n'est pas la maladie, c'est l'authentique grâce de Dieu, qui va, donc on va arrêter d'ennuyer Macarie avec ses saignées. Mais c'est le premier contact qu'elle a avec un grand spirituel, et qui va lui ouvrir les portes déjà du réseau spirituel. Mais ce contact se fait, vous voyez, par la mystique sur Rédo Flamande, qui va la marquer profondément. Le 1594, mais là je ne sais pas à quelle heure il faut que je m'arrête, on a commencé... On a commencé à 10. À 10, bon, je continue encore 5 minutes, on va arriver. Voilà, elle entre véritablement dans une vie mystique intense, avec en 1593 un phénomène tout à fait très 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 rare, dont elle gardera caché, puisqu'il sera un phénomène caché, lui, c'est les stigmates invisibles. À partir de 1593 jusqu'à sa mort en 1652, en 1618, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, je pensais qu'elle serait morte à 52 ans, en 1618, elle va souffrir tous les vendredis, et parfois même le samedi, des douleurs des 5 plaies du Christ, y compris douleurs à la tête de la couronne d'épines, de manière très intense et parfois intolérable. Sans que ça se voit, il n'y a aucune plaie visible, il n'y a aucune... Elle ressent la souffrance des plaies du Christ. Elle va, on en a la certitude parce qu'elle s'en est confiée au père Coton, Duval, sur le secret de la confession. Et ça n'a été révélé qu'après sa mort, hein, donc ça a été caché tout au long de sa vie. Le témoignage de Pierre de Bérulle, du père Coton, sont des. Je crois qu'il y a un troisième témoin aussi de cela, est indubitable. Donc, ce qui l'a uni à la passion du Christ, hein, de manière singulière, chaque semaine, et cela tout au long de sa vie. Peut-être que cela anticipe aussi la période des épreuves, les années noires, qui commence donc en 1594 avec la prise de pouvoir, l'accès au trône d'Henri IV, qui amène à l'exil de son mari. Alors, pour aussi compléter ce que j'ai dit sur le rôle de M. Acari dans la Ligue, il était un peu déconcerté. Enfin, c'était sans doute pas un homme brillant. Certains disaient qu'il n'était pas très malin. Il était désigné comme le laquais de la Ligue. Le laquais de la Ligue. Donc ce n'était pas lui qui était le meneur. Hein, pour ça, je disais, je ne pense pas qu'il était présent au moment de la condamnation du président Brisson. Parce que ce n'était pas un des meneurs. Et en particulier, en quoi servait-il la Ligue ? Il servait la Ligue par sa fortune. Et comme c'était un homme extrêmement généreux, comme sa femme, il ne comptait pas leur argent, il a fait dépenser des fortunes pour financer les besoins de la Ligue, les besoins militaires, les besoins du gouvernement de la cité, etc. S'endettant, aliénant ses biens de manière tout à fait inconsidérée. Il avait beau être très riche, il avait été d'une générosité admirable ou imprudente, selon la manière dont on se situe. Ce qui fait que quand il est exilé, les dettes qu'il a contractées amènent sur ses biens une nuée de créanciers qui s'abattent, et au moment où il est
Alors, il a un exil qui est relativement tempéré. Henri IV va jouer la tolérance aussi, va essayer de. Puis il a rendu compte que ce n'était pas le plus dangereux. Donc, il ne l'oblige pas à quitter la France. Il va se retirer dans la chartreuse de Bourgfontaine, à 200 km de Paris, du côté de Reims ou Troyes, peut-être du côté de Troyes plutôt. Et où il va mener une vie monastique, cette chartreuse, une vie monastique tout à fait, qui, selon ses goûts d'une certaine manière, tandis qu'il laisse sa femme seule à Paris avec ses 6 enfants, et il lui remet, alors c'est là, il lui remet donc une, il confie toutes ses pouvoirs pour gérer la situation financière. Donc, ce qui était très rare à l'époque, hein, elle se retrouve avec son mari lui remet entre les mains toute sa fortune, en fait, tout ce qu'il a. Et à ce moment-là, la pression des parents de Madame Acari se fait sentir, veulent lui imposer de refuser pour préserver la dot. Et que la propre fortune amenée par la famille Huet ne soit pas dilapidée dans ce gouffre financier. Et c'est là qu'on voit la droiture. Alors, on lui avait imposé ce mariage de force, hein, et on veut la forcer à ne pas assumer, je dirais, les conséquences du mariage. Et là, elle résiste, cette fois-là, elle refuse. Ce qui fait qu'elle va se retrouver seule, abandonnée de sa famille. Elle n'aura aucun soutien de ses parents à ce moment-là, ni de ses frères. Parce qu'il n'y a jamais aucun témoignage de sa famille sur elle. On sent qu'il y a une coupure assez radicale. Et que, du jour au lendemain, elle qui était la belle Acari, qui était vraiment reconnue dans tout Paris, sombre dans la misère, est abandonnée de tous. Elle va être recueillie par la mère de Bérulle, qui lui donne un petit logement. Elle va se retrouver avec André Levoix, je dirais, misérablement logé. Dans son propre l'hôtel où les invités est confisqué, l'huissier vient confisquer ses meubles, on vient à une scène où elle est encore en train de manger, on lui prend la vaisselle, alors qu'elle était à table. Et elle va essayer d'obtenir de l'aide dans une GPI parente, surtout pour ses enfants. Et on lui répond, on a une phrase aussi, vous n'avez qu'à le mettre comme savetier. Le placer, comme savetier, le faire travailler chez un artisan. Alors pour Madame Acari, c'était impensable d'abandonner ses enfants comme ça au travail, les faire travailler pour sauver la situation. Elle a réussi donc à les placer dans des institutions et tout, et une fois qu'elle a casé ses 6 enfants, elle s'attelle à la situation. Et pendant 4 ans, elle va se battre pour dénouer l'imbroglio juridique, financier dans lequel son mari s'est mis. Mais de manière tellement habile, bien sûr, dans ces cas-là, les hommes de loi, quand on voit une femme faible, une situation, c'est un peu comme les rapaces qui se. Un truc qu'on veuille piller, hein, je dirais, on profite de la faiblesse pour piller les biens d'une personne en déroute. Bien sûr que les créances qu'on sans doute que l'on voulait lui faire payer étaient au-delà de ce qui était légitime. Enfin, elle défend si bien les droits dans 4 ans qu'au bout de 4 ans, elle restaure une partie de la fortune de son mari et elle va pouvoir réacquérir l'hôtel familial de la rue des Juifs, dans l'actuelle rue Ferdinand Duval à Paris, 4e. Et cela, ce combat qu'elle mène, qui montre une intelligence, une capacité des affaires, un sens des affaires, elle rejoint la Madre de ce point de vue-là, c'est une femme d'affaires étonnante, va être à l'origine de sa notoriété, non plus comme étant la belle Acari, mais comme une femme assez prodigieuse dans Paris, alors que tout le monde regardait le couple avec commisération, et disait, ils sont. Elle rétablit le rang social de son mari et de ses enfants. Voilà. J'en reste là pour le moment, parce que je vais faire la pause, et puis je reprendrai ces années noires après la pause.